Si je dis je suis né en 1965, ce qui est vrai, je sous-entends en 1965 après Jésus-Christ. Et si ça m'embarrasse de dire après Jésus-Christ, je dis de notre ère. Mais c'est tout aussi embarrassant finalement, parce que qui est ce nous? C'est un nous chrétien, en tant que l'ère chrétienne se serait imposée au monde. En tout cas, c'est de ça dont on doit parler, hein. C'est-à-dire cette manière qu'a eu le christianisme de coloniser le temps. Le temps chrétien est un temps orienté. Il commence avec la naissance du Christ, mais ce qui lui donne son sens, entendez, sa direction et son espérance, c'est la crucifixion. C'est elle qui fait date dans une histoire chrétienne. Quelle date? C'est difficile à calculer. L'événement doit se situer entre 27 et 33 de notre ère. Or, toute date de fondation, depuis la création de Rome jusqu'à l'Égir, est aussi une manière de localiser un récit, de dire « ça a eu lieu ici et depuis, ça continue ». Faire date, c'est loger une intrigue dans un espace. C'est lui trouver au fond un lieu. Un lieu pour que ça se raconte, pour qu'on s'en souvienne, et pour qu'on revienne dans ce lieu et qu'on commémore l'événement qui a eu lieu. Voilà. Donc ça, c'est évidemment, ça porte un nom dans le christianisme, et pas seulement, évidemment, dans l'islam, dans le judaïsme, c'est Jérusalem. C'est donc ici que nous avons rendez-vous, à Jérusalem, là où tout a commencé. Un homme y a prêché. Il était juif, ses disciples ont rapporté ses paroles, ils disent même qu'il a accompli des miracles. Il a été crucifié sous Ponce Pilate. Voici ce que dit le catéchisme. C'est le credo des chrétiens depuis le premier concile de Nicée de 325. Et ceux qui croient en lui disent que Jésus est ressuscité le troisième jour pour sauver les péchés des hommes et qu'il reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. A-t-il vraiment existé? Eh bien, la plupart des historiens le pensent aujourd'hui, oui. On peut donc faire l'histoire de la crucifixion de Jésus. Mais c'est difficile, parce que les évangiles, c'est-à-dire les récits de la vie de Jésus qui annoncent la bonne nouvelle de sa résurrection, divergent en bien des détails. L'Église en reconnaît quatre, ceux de Matthieu, Marc et Luc, et l'évangile de Jean. Pourquoi quatre évangiles? Après tout, un, c'était plus simple. Il n'y avait plus de contradiction. Mais c'est à croire que l'Église aime la contradiction. Il ne faut jamais oublier que le christianisme, c'est une secte du judaïsme. C'est une secte qui a réussi, mais c'est une secte du judaïsme. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'elle en procède, et ça veut dire qu'elle veut s'en séparer. Mais ce qui ne sépare pas le judaïsme du christianisme, c'est que ce sont des religions du commentaire, et du commentaire infini. Et pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse en parler, il faut qu'il y ait des discordances. Pour sortir du huis clos un peu entêtant des quatre évangiles, on peut aussi se souvenir qu'au 1er siècle, au moment même où la rédaction des évangiles commence, quelqu'un d'autre raconte aussi cette histoire. C'est un juif dont le nom est Flavius Joseph. Le grand spécialiste de son œuvre est un historien dominicain enseignant à l'école biblique de Jérusalem, Étienne Naudet. Alors Flavius Joseph était un prêtre de Jérusalem, né en 37 et mort en 80, entre 95 et 100, je ne sais pas exactement. Donc natif de Jérusalem, fort cultivé, un peu vaniteux, puisqu'il a une façon de raconter sa vie qui est un peu gonflée. Enfin. Et alors c'est le seul historien juif donnant la priorité aux faits et non pas aux interprétations. Parce que la Bible, Nouveau Testament compris, mélange toujours des faits qui ont eu lieu
et puis le sens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on lit Dieu à travers ses faits. Et Joseph a la plus grande méfiance de ce genre d'approximation, donc il veut toujours être très rationnel. Flavius Joseph, qui est l'auteur d'un livre important qui s'appelle « La guerre des Juifs », restitue l'événement Jésus dans une chronologie romaine. Il le ramène à sa juste proportion aussi d'un fait divers de la grande histoire de l'Empire romain. Regardons la carte. Nous sommes bien sur la frontière orientale du monde romain. La Judée est alors une sous-province de la Syrie, administrée par un pouvoir que l'on pourrait volontiers dire aujourd'hui colonial. Les Romains s'appuient sur une royauté juive fantoche, celle d'Hérode le Grand, dont la capitale est à Césarée, sur le littoral. Jérusalem est donc une ville dominée et diminuée. Loin des grands flux économiques, elle est proprement marginalisée. L'ordre romain s'y exerce de manière brutale et autoritaire, par l'intermédiaire des préfets qui gouvernent au nom de l'empereur. Ponce Pilate est préfet de Judée de 26 à 36. On le connaît par une inscription trouvée à Césarée. Elle était probablement placée sur un édifice dédié à l'empereur Tibère et on y déchiffre son nom, Pilate, préfet de Judée. C'est donc lui le pivot historique de cette histoire, celui qui nous permet de l'ancrer dans une chronologie. Or, cette chronologie est celle du mouvement contestataire juif. Car ces révoltes sont liées à ce qu'on appelle le messianisme, c'est-à-dire l'attente d'un sauveur qui sera aussi le restaurateur d'une royauté authentiquement juive. Et c'est de ce mouvement politique dont parle Flavius Joseph. Dans sa première version grecque de la guerre des Juifs, avant une censure officielle par l'empereur, il donne quelques notices sur des personnages du Nouveau Testament, parmi lesquels un certain thaumaturge, donc qui faisait des guérisons et qui avait une haute stature avec tout un peuple autour de lui. Et il avait en particulier 150 serviteurs qui voulaient qu'il descende sur Jérusalem et qu'il s'empare du pouvoir, enfin, en tout cas qu'il chasse les Romains, en massacrant Pilate éventuellement. On connaît la suite. Jésus n'a pas massacré Pilate. Il a été jugé et condamné à mourir sur la croix. Or, le choix même de ce supplice trahit la dimension politique de l'affaire. C'est bien comme rebelle que Jésus est mis à mort. Roi des Juifs. Selon l'évangile de Jean, Pilate fait placer cet écriteau parodique et infamant sur la croix. Voici pourquoi les peintres figurent parfois au-dessus de la tête du crucifié l'acronyme INRI, en latin « Jesus Nazarenus Rex Judeorum », c'est-à-dire « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». En 1968, les archéologues ont retrouvé dans une urne funéraire de la banlieue de Jérusalem le talon d'un certain Yohanan, crucifié présumé du 1er siècle de notre ère. La place du clou permet de préciser la position des jambes, non pas côte à côte, mais de part et d'autre de la croix. Fichés dans les poignets, d'autres clous permettent, avec un système de ligature, d'alléger un peu le poids du corps. Tout est fait pour ménager une mort lente et atroce, le supplicié étouffant peu à peu son agonie exposée comme un spectacle public. On crucifie les rebelles, on crucifie les esclaves, Spartacus. On crucifie les voleurs, on crucifie tous ceux qui n'ont pas le droit d'être décapités. Donc c'est infamant. Et donc faire de ce signe, la croix, le ralliement d'une croyance, le christianisme, c'est quelque chose qui est très scandaleux et qui est considéré comme scandaleux, presque ridicule d'ailleurs, par ceux que les missionnaires veulent convaincre et convertir. C'est ce symbole, pourtant, qui s'impose par la suite comme le signe de ralliement de tous les chrétiens. Lorsque se développe l'image du Christ en croix, autour de l'an 1000, c'est un Christ de gloire qui est représenté, impassible. Puis, peu à peu,
La scène se peuple de ces personnages et de ces symboles décrits par les évangélistes. Au XIIe siècle, la tête du Christ tombe sur le côté. Son corps s'affaisse et c'est le pathétique qui est visé. Jésus est alors représenté comme un homme souffrant auquel peuvent s'identifier les chrétiens qui commémorent tous les dimanches sa mort et sa résurrection. Mais si la crucifixion s'inscrit dans le temps liturgique, reste à résoudre une énigme historique, celle de sa date exacte. Quand a été crucifié Jésus ? On sait que ça s'est passé sous Ponce Pilate, donc entre 26 et 36. Jean indique que la crucifixion a eu lieu le 14 du mois de Nissan, le premier mois du calendrier juif. On a donc 11 dates possibles. Mais Marc et Jean s'accordent pour dire que Jésus est mort un vendredi. L'astronomie permet de calculer que, durant la décennie du mandat de Pilate, le 14 Nissan tombe un vendredi à 4 reprises, 27, 30, 33, 34. 27 est trop précoce, Jean-Baptiste n'a pas encore commencé sa prédication. 34 est trop tardif, Jean est déjà converti. Reste 30 et 33, entre lesquels les spécialistes hésitent. Il y a un petit indice que ce serait plutôt 33 que 30, parce qu'on a montré, les astronomes futés, que le soir de ce jour-là, il y a eu une éclipse partielle de lune ce soir-là, après le coucher du soleil, visible de Jérusalem pendant une quarantaine de minutes. Or, il existe dans l'Ancien Testament une prophétie, celle de Joël, qui affirme « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur ». L'éclipse de lune est donc un argument pour 33, puisque les évangiles cherchent moins à raconter des événements qu'à faire croire que ceux-ci avaient déjà été prophétisés dans la Bible. Donc, la crucifixion aurait eu lieu le vendredi 3 avril 33. Mais dire cela, c'est s'exprimer dans un calendrier qui n'existe pas encore. Disons alors que nous sommes pour les Romains en 786, et pour les Juifs en 3793, c'est-à-dire dans tous les cas à une date où l'événement passe relativement inaperçu. Car ce n'est que bien plus tard, au IIe et IIIe siècle, que la secte chrétienne se développe et essaime hors de Judée. Un siècle plus tard encore, les premiers pèlerins commencent à arpenter les rues de Jérusalem. Les chrétiens, pour éprouver leur foi, veulent mettre leurs pas dans les pas du Christ et cherchent les lieux de la passion. Ils veulent retrouver au sol l'espace où loger cette histoire. Mettre les pas, mettre ses pieds dans les traces de pas de Jésus. On ne comprend pas très bien qui c'est, mais on va venir et donc ça va partir des pieds. Et alors, donc, tout un tas de stations qui se sont créées, à gauche et à droite, donc Jésus est parti par là. Alors, un premier arrive, on va lire une page de l'Ancien Testament ou d'Évangile, oui, ici, c'est pas mal. Et puis, un autre groupe arrive, c'est pas mal aussi. Donc, ensuite, un marchand de cacahuètes, puis un restaurant, puis une église, et puis ça finit par être un lieu saint. Mais où situer le lieu de la crucifixion ? Les évangiles ne donnent guère d'indications précises. En un endroit proche de la ville, dit Jean, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans la ville, donc hors des murailles. Un endroit élevé également, puisqu'on l'appelle Golgotha, qui signifie mont du crâne, Calvarius en latin, d'où vient notre calvaire. Cette question du lieu se pose avec acuité au début du IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin se convertit et fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Donc en 325 ou en 327, Hélène, mère de l'empereur chrétien Constantin, invente la croix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle trouve, dit-on, le lieu où l'attend, sous terre, cette relique, c'est-à-dire la croix du Christ qui a été enterrée. Ce lieu souterrain est aujourd'hui appelé « Chapelle de l'Invention ». On y révère la Sainte Croix,
la seule relique qu'a laissée le Christ ressuscité. Mais il ne représente qu'une petite partie de ce complexe monumental qu'on appelle le Saint-Sépulcre. Car dans la foulée de sa découverte, Hélène a inventé aussi toute une scénographie de la mémoire. À quelques dizaines de mètres de l'endroit où elle trouve la croix, elle identifie l'emplacement du Golgotha, puis celui du tombeau du Christ, le sépulcre proprement dit, simple grotte creusée dans une ancienne carrière. Remaniée et reconstruite à de nombreuses reprises, l'église actuelle enchâsse complètement ces différents lieux saints comme dans un coffrage. On monte maintenant au Golgotha par un escalier qui ouvre sur une double chapelle, moitié arménienne de rite latin, moitié orthodoxe de rite grec, puisque depuis le XVIe siècle, ce sont les différentes communautés orientales qui se partagent l'administration des lieux saints. Dans la chapelle orthodoxe, les pèlerins se recueillent sur le trou où a été plantée la croix elle-même. Ils reproduisent alors des gestes attestés dès la fin du Moyen Âge, où l'on cherchait à glisser sa main ou poser sa tête dans cette empreinte, comme pour prendre physiquement la mesure des lieux de la Passion. Un peu plus loin, voici la pierre de l'onction, sur laquelle le corps du Christ a été lavé et enveloppé dans le sanctuaire. Car ce que l'on révère ici, ce sont des traces, des empreintes, des absences. Aujourd'hui, au Saint-Sépulcre, on n'y voit rien. Mais c'est pas fait pour qu'on y voit quelque chose. Ce qu'on voit, c'est au fond l'amas d'histoire. C'est la complexité d'une histoire qui est, presque concassée, presque comprimée dans un si petit espace. Et tout cela fait une sorte d'ambiance extraordinairement confuse. Cette confusion dit l'histoire de la ville de Jérusalem. Une histoire heurtée et disputée. Une histoire de séparation également entre différentes religions et différentes confessions d'une même religion. Et parmi ces différentes confessions chrétiennes, il en est une dont le désir de rationalité s'accommode mal de cet amas inextricable et rutilant qu'est le Saint-Sépulcre. En 1884, un évangéliste anglais du nom de Charles Gordon prétend avoir découvert le vrai lieu de la crucifixion du Christ. Il serait au pied d'une falaise qui a le bon goût de ressembler à un crâne et donc qui peut nous rappeler le Golgotha. Surtout, il est nettement en dehors des murailles hérodiennes que les archéologues identifient au même moment. Depuis, le développement urbain a sérieusement contrarié le point de vue et limiter la possibilité d'élan mystique. Mais il n'a pas empêché la création, non loin de là, d'un Saint-Sépulcre alternatif, adapté à une foi réformée, en recherche de vraisemblance et de recueillement. Alors le dispositif n'est pas tout à fait achevé. Il n'est pas achevé sur le plan temporel, parce que Jésus a été jugé et mort sur la croix, ressuscité, mais il faut maintenant qu'il monte au ciel. Et il n'est pas non plus achevé, ce dispositif, du point de vue spatial, parce que l'ensemble de Jérusalem n'est pas encore investi par les lieux de la vie de Jésus. Face au Saint-Sépulcre, sur le mont des Oliviers, où Jésus aurait séjourné avant son procès et sa crucifixion, Constantin a fait également construire une grande basilique, dont ne subsiste aujourd'hui qu'une chapelle construite par les Francs. Celle-ci était à ciel ouvert jusqu'à ce que Saladin ne la recouvre d'une coupole pour la convertir en mosquée. C'est la mosquée de l'Ascension, identifiant le lieu d'où Jésus a quitté la terre après sa résurrection. Encore un lieu vide, encore une empreinte, celle qu'a laissée son pied au moment de s'envoler. Depuis le mont des Oliviers,
on aperçoit l'esplanade des mosquées et le dôme du rocher, où Mahomet a lui aussi laissé l'empreinte de son pied. On est face au temple disparu, devant la porte d'or qui doit s'ouvrir le jour du jugement dernier. Le temps n'est plus un éternel recommencement ou une attente du Messie, ce qui est le temps du judaïsme, qui est le temps de l'attente. Le temps chrétien, il est évidemment orienté. C'est une religion qui sort de ce temps religieux cyclique. C'est une religion historique, on pourrait dire, qui est fondée sur un personnage historique que l'on peut dater. C'est en cela qu'on peut dire que le christianisme colonise le temps. L'origine, définie par l'événement Jésus, nous fait entrer dans un temps linéaire et historique. Et c'est au travers du calendrier que cette idée chrétienne s'impose au monde. Mais reste une dernière énigme à déchiffrer. Quand commence notre ère ? Le jour de la crucifixion ou le jour de la naissance du Christ ? Le concile de Nicée de 325 définit la croyance en la crucifixion du Christ comme la base du credo, ce que je crois. Donc, ça veut dire que l'ère chrétienne, elle commence à la passion. On commence à organiser ce qu'on appelle un compute, c'est-à-dire un calendrier cyclique des fêtes de Pâques à partir des dates supposées de la passion du Christ. Et tout cela jusqu'à ce qu'un moine qui s'appelait Denis le Petit, en 525, invente une autre manière de décompter le temps. Le temps commence pour lui en l'an 1, qui est celui de la naissance du Christ. Adopté par le pape, ce changement d'ère ne se généralise pas avant le 10e siècle. Et il faut attendre sans doute le 15e ou le 16e siècle pour que l'ère de la nativité fasse irruption dans les représentations collectives et devienne un moyen courant de faire date. Donc au total, l'ère de la passion aura duré très peu de temps, de 325 à 525, 200 ans. Mais on pourrait jouer. On peut se demander qu'est-ce qui se serait passé, comment on compterait les siècles aujourd'hui si Denis le Petit n'avait pas eu cette idée bizarre. L'ensemble donc de notre décompte s'en trouverait décalé de 33 ans. Dans le calendrier de la Passion, le XXe siècle ne commencerait ni en 1900 ni en 1914. Il se délesterait de la Première Guerre mondiale, mais n'en commencerait pas moins de manière dramatique. Ce serait un siècle qui débuterait en 1933 avec l'arrivée d'Hitler et un siècle dans lequel nous serions encore. Mais qui est ce « nous » qui parvient si mal à saisir la diversité des calendriers du monde ? Même si nous sommes persuadés de vivre au XXIe siècle, on pourrait aussi bien dire que nous sommes au XVe siècle de l'Égypte ou au 58e du calendrier hébraïque. Alors poursuivons cet exercice de désorientation. Que se passe-t-il dans le monde pendant la vie du Christ ? En ce temps-là parut un décret de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre, lit-on dans l'évangile de Luc. Mais l'événement date probablement de l'an 15 de notre ère et ne concerne que la Syrie. S'il y a un empereur dans le monde capable de recenser toute la terre, ce n'est pas Auguste, mais Han Pingdin, avant-dernier représentant de la dynastie des Han antérieurs. En 2 de notre ère, il recense la population de l'empire le plus peuplé du monde. Il y a 57 671 400 Chinois. D'autres religions prennent au même moment leur essor dans le monde. Les religions orientales à Rome, et notamment le culte de Mithra, d'origine perse, mais surtout le bouddhisme du grand véhicule en Inde. Autant de religions, autant de calendriers. Ce qui est frappant lorsqu'on va à Jérusalem, c'est qu'on voit physiquement, douloureusement, combien les mémoires s'y affrontent. Jérusalem n'est pas une ville chrétienne. C'est une ville juive, musulmane
et chrétienne. Les lieux y sont disputés, presque enchevêtrés, douloureusement affrontés. En revanche, le temps des chrétiens, je dirais, s'est quand même imposé au monde. Et c'est frappant ce contraste entre cette colonisation de l'espace si difficile, si âpre, si conflictuelle, et cette colonisation du temps qui est imperceptible et douce. Mais c'est une fausse douceur, en réalité, parce qu'elle est pernicieuse. Lorsque nous disons « telle année de notre ère », nous supposons ou nous feignons de croire que le monde entier se plie au calendrier des chrétiens. On voit bien dans l'espace que les lieux sont disputés. Mais le temps, en somme, se colonise plus facilement que l'espace.